Allez, bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Maximo là, on se retrouve pour la suite de Marvel Strike Force, et là on se retrouve pour les chasseurs de reliques. Allez, on va lancer, waouh, c'est magique. Alors profitez bien du court moment de l'histoire que vous allez voir, parce que je sens que je vais pas arriver bien loin, vu que j'ai très peu de membres de la main, et ils sont pas, enfin, il y en a qu'une seule qui est vraiment augmentée, quoi. Les strikes de découvert des fragments, quand nous avons déchiré, la main de cette dimension sera connectée à celle de tous les autres membres. En fait, si vous pouvez, pour récupérer cette relique, je préfère l'avoir chez vous que chez Ultimus. Ouais, vas-y, tu ne donnes pas d'ordre. Electra rassemble nos frères. Il y a aussi Electra qui est un peu, qui est pas mal amélioré. Ah, mais vous allez voir, vous le sentez bien. Regardez mon équipe. Bon, déjà, qu'est-ce que vous la foutez en avant, elle? Cette débile ou... Alors, voilà, la soigneuse derrière. On va tenter, hein, on va tenter, même si je donne pas, je donne peu cher, hein, de ce que ça va donner. On va voir, on va voir. Hein. Ah ouais, non, on va se barrer. Ouais, je me foule plus hein, pour le niveau le cadrage hein, pour les vidéos. Ah bah après ce combat, je vais essayer d'améliorer un peu le cadrage. Ouais, là je cadre à la main. C'est super pratique. Doum 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 doum. Viens faire chier. Viens. Alors attention à ces sbires corrompus d'Ultimus. Ah là là, ils ont des facultés améliorées, frappant avec des précisions meurtrières. Ils sont pas censés être moins bons que les originaux. De souvenir. Donc quand ils en parlaient. Bon, on va d'abord affronter Vision parce que je le sens pas. Ouais. Allez, vas-y, on va le niquer. Combat automatique. Ouais, ça se passe bien pour le moment. Il vient de me dégommer un truc, mais ça va. Pour le moment, ça va, ça va, ça va, ça va. Comme sur ma planète. Ça va, comme ci, comme ça. Allez, on bute Spider-Man aussi. Ils ont tué Spidey, espèce d'enfoiré! Mettez-le en sécurité dans la forteresse! À vos ordres! T'as cause, j'aime bien, l'ensorceleuse est vraiment là, tu vois. Ah, ça c'est rigolo. Ouais, le truc de la victoire qui bug. Bon, j'ai que 3 étoiles, 2 trucs, mais en même temps, je. Voilà, hein. Et c'est pas ma priorité de les améliorer, ces cons, donc ça va pas aider. Bon, de toute façon, je l'ai fait qu'une fois, ça m'aide. Hein. Nécessite 5 guerriers de la main à 2 étoiles. Oh, bah, va te faire foutre alors. Hein. On va faire autre chose. Ah ouais, ça fut rapide. Alors, on va continuer des morceaux de la campagne. Voilà, du bon pain provincial. Non, c'est pas ça. On va faire les super vilains et je pense qu'on fera aussi du Nexus. On verra comment ça se passe. Alors. D'abord un combat super vilain. Bonjour, alors on en est où à la trique? Je garde un espoir de vaincre Timus, il faut être impitoyable. D'accord. Ouais, Fisk, vraiment ta gueule, Fisk. J'écoute. Le Captain America de l'Invention Conquise a dit quoi? Timus a passé un chef à la tête de chaque équipe pour équiper. Ok. Je l'aime pas, mais tu as raison, il faut faire ça. Tu as la permission. Putain, je vais essayer de me décaler parce que sinon, je croyais qu'il y a des reflets qui merdent. De passer à l'action. Ah, ça c'est chiant, c'est les reflets. Ça reste entre nous, certains ne comprendraient pas. Ça, visiblement, peu importe l'endroit où je suis, ça continue. Bien sûr, merci bien. Là, ce que j'essaie de trouver, ce que j'aimerais faire aussi prochainement, c'est Scooby-Doo, la nuit des 100 frissons, que j'ai jamais joué en jeu. Et c'est con parce que visiblement, il a l'air bien. C'est bien de me mettre des mecs de merde hein, dans l'équipe. Alors, on s'en fout. Alors, poum, Electra, on la met là. De toute façon, elle peut se mettre invisible. Yondu, on le met là. Et toi, on te met là. Mais voilà. On va voir si on s'en sort. C'est loin d'être certifié, hein, vu le niveau des... vu le niveau de mes gars. Parce que je crois pas en avoir autant de bons que super-héros. Hein. Bonjour.
réponds, loulouloulou, je réponds à des messages sur Facebook. Pou, 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 pou. Qu'est-ce qu'on m'envoie? Qu'est-ce que c'est encore? Ouais, on s'en fout, Justin Bieber, la version palestinienne. Bon, Electra, on a pu localiser le bunker secret du roi Boulsey. Ah, le roi Boulsey. D'accord. Bien, éliminez-le. Je suis en train de l'imaginer en roi, ça fait bizarre. Bon, après, il a une cible, donc voilà, il a la petite icône de roi. Hein. Alors, désolé si c'est pas mieux cadré que ça. Bon, après, là, c'est pas en un quart, je vais filmer avec la caméra haute qualité, cette fois-ci. Vous avez le droit de la haute qualité pour cette vidéo. Eh oui, je suis un fou, j'essaie de varier les décors. Ce qu'il faudrait que je refasse prochainement, c'est des commentaires de réalisateurs. Je pense que ça vous intéresse, vous en foutez. Ouais, mon avis sur mes différents courts-métrages. Pour éviter d'avoir un long... Chaque fois, j'ai peur que ça plante. Ah, il reste que Boulsey. Eh, le roi, ah bah, le roi. Voilà. Pour stache tache. Taboudibida, tabadou stache tache. Ouais. Ouais, surtout, ça peut être sympa et ça peut réduire l'écart, on va dire. Si les trucs commencent à s'accumuler à nouveau, les courts-métrages. Hein. Donc, comme il y en aura deux là qui sont prévus là, prochainement, là, à débarquer. Je sais pas qui c'est qui arrivera en premier. Faut voir. Parce qu'il y a eu du progrès sur les deux, mais pour l'un, il nous manque un acteur. Donc, ça, il pourrait être. Celui-là sera sûrement plus handicapé. Bon, je continue, même si j'ai que deux étoiles ou un. Là où je m'arrête, c'est si j'y arrive pas, quoi. Alors, ce sera Black Panther, ouais, du continent, machin. C'est lui qui dirige l'armée de la IM, tout est parfaitement logique. Et il y a un bataillon de Punisher, mais. Non, mais personne peut y arriver. Vous faites. Ah non, mais. Un bataillon du Punisher. Ah, à un moment donné, faut pas être fou. Alors, il y a Georges Gomin qui m'a envoyé un truc. Bonjour, nous entrons en contact avec vous par le biais de Pôle emploi. Nous recherchons actuellement des comédiens, chanteurs, musiciens, choristes pour le tournage d'une vidéo. Chante à ma sienne. Ouais. Ouais. Là, ça va. D'accord. Bah, je l'ai déjà répondu, j'ai envoyé mon truc. Les dédains est une suite de sketchs semi-improvisés autour de la solitude et de la passion amoureuse. Chanter, danser, lu, réciter, scène de défilé de mode, etc. Cependant, cette vidéo sera visionnée lors d'un diplôme de fin d'été, jury d'artiste et envoyée à divers concours de France. Et à l'étranger, projet rémunéré 620 € brut par demi-journée, ce qui est plutôt cool. Voilà. Hein, si c'est pas du fake, je me méfie, hein. Surtout que j'ai déjà répondu un truc, donc ça pue. Déjà, je répondrai, hein. Mais je sens que je vais me prendre un virus. Très prochainement, la caméra explose. Moi, ah, ça va, le truc où je me fais pas berner, c'est quand tu reçois le truc d'emploi, tu vois. Alors bonjour, je viens vers vous par le biais de Pôle emploi. Et souvent, c'est un truc qui a rien à voir. Ah, j'ai vu que vous cherchiez un truc libre de service. Et ben justement, je cherchais quelqu'un pour s'occuper de récolter les loyers de mes locataires. Tu vois, c'est ça à chaque fois. Surtout que ça me fait une fausse joie à chaque fois. Je me dis, ah, peut-être que. Ah non. Ça part dans leur sujet, putain. C'est comme les faux profils Facebook, tu vois, qui te font « Hey, salut, tu es seul, tu es célibataire, ça va ?» Ah, une fois, il y en a une, j'avais cru que c'était un vrai profil, parce que j'avais vraiment des amis, des trucs. Voilà. Mais j'ai senti qu'elle tentait de converger la conversation vers l'autre truc. Donc au bout d'un moment, j'ai laissé pisser, et justement, son profil a été supprimé par la suite. Ah, c'est la meuf. Ils deviennent intelligents, plus forts. Je remercie mes amis qui sont tombés aussi dans ce piège. Ouais, j'en veux pas, c'est vrai que celui-là, ce fake était bien fait. Parce que d'habitude, c'est, oh, comme par hasard, Abishai, mais juste à côté, tu vois, le profil vient d'être créé. Non, là, c'était
très bien fait. Il y avait des photos depuis longtemps, tu vois, c'est. Ah, il y avait plein de trucs. Mais dès que j'ai senti que c'était un fake, que j'ai commencé à partir en mode sarcastique, hein. C'était rigolo. Là, on s'en sort bien. C'est bien de faire un peu super bien, parce que les héros. Bon, moi, on a fini les super-héros, c'est fini. Après, on fera le Nexus, où là, j'aurai ma team de la mort. Cosmique, rêvez pas pour le moment. Je crois. Ah, parce que j'ai pas assez de mecs puissants. Pour le moment. Ça arrivera, hein, ça arrivera. Mystique, bon, j'ai pas encore, c'est pas encore débloqué, voilà. Bon. Donc, alors, projet, donc, la rémunération, j'ai dit, le projet sera tourné à. Un truc à Bruxelles, Belgique, ouais. Et bien sûr, voyage et hébergement à la charge de la maison de production. Comme par hasard, faut toujours que ce soit. C'est toujours à Bruxelles, Belgique. Je vais commencer à croire que justement c'est du fake à chaque fois. Hein, parce que j'avais déjà eu des trucs, mais c'était pour d'autres. C'est toujours à Bruxelles. Putain, mais ça peut jamais être à Paris, même limite Paris. Je me dirais, vas-y, je prends le train, mais à Bruxelles, je le sens pas de passer tout seul. Non, non, non! Déjà rien que Paris serait chaud pour moi. Déjà que je peux me paumer rien qu'à Strasbourg, tout seul. Oui, je suis trop nul. Bon, vous voulez pas. Faudrait que je vous fasse Worms 3. C'est le truc qui a rien à voir. Je l'ai dans ma bibliothèque Home Station. J'ai pas trouvé les deux trucs Scooby-Doo que je cherche. La nuit des sans-frissons et qui regarde qui, la version PSP. J'avais la version DS. Ça aurait pu être cool à faire, mais la version PSP a priori est mieux. C'est ce que j'ai vu. Ah, c'est vrai, il y a vraiment des cinématiques, vraiment des trucs. Après, comme il y a la PSP, on pourrait trouver le jeu. Et pour la nuit de fonction, je pense que ça doit pas être cher. C'est un vieux jeu, sûr, encore plus. Ouais, m'intéresserait, franchement, c'est tout ça. Comme d'hab, on va pas parler Marvel. Ouais, vous en faites pas, après on parlera de Marvel, on parlera d'Ant-Man, on parlera de trucs. Ce sera pas le jeu, mais on parlera de. Quand même, ce sera du Marvel. C'est là le mec connard, il parle de DC. Alors, le dernier Batman. Scooby-Doo. Rien à voir. C'est la Warner. Enfin, c'était un arrêt Barbera, mais. Bon. C'est Warner surtout maintenant. Salut. Eh, au moins, on enchaîne. Ça y va vite, hein. Ce qui fait un plaisir, c'est les vidéos où on n'entend pas ma voix, tu vois, où c'est compliqué. Celle où c'était rigolo, c'était Fallout. Fallout. Et c'est con, non, mais le plus gros défaut de ce jeu, je trouve, c'est que. Mais peut-être pas du tout, hein. T'as un bref tutoriel et après tu te démerdes, hein, franchement. Et franchement, je comprenais pas comment fonctionnaient certains trucs et j'arrivais pas à trouver l'option. Donc, à un moment donné, ça m'a saoulé. Hein. J'ai commencé à détruire ma propre colonie. Désolé, mais à un moment donné. Moi je suis con, si on m'explique pas, va te faire foutre. Hein. Oui, je suis le genre de mec qui crève au tutoriel. C'est un problème. Je suis un noob. Noob! Oh. Un noob, attends. Je chante l'ancien générique parce que maintenant il y en a un nouveau en plus. Ouais, je regarde la saison 11. On aborde plein de sujets, on n'a pas encore parlé de Marvel, c'est génial. J'ai même mentionné Batman, mais. Attaquez plus lui. J'ai débloqué OK, il faudrait que je vous montre les gars que j'ai débloqué. Donc, bon, alors le truc c'est déjà foutu, le projet. Alors, date de tournage vendredi 3, 4, 5, ou, vendredi et 3, samedi 4 et dimanche 5 août. Parce que vendredi 4, 3, 4, 5, ça ferait bizarre. Hein. Août 2018, voyage et hébergement est à la charge de la maison de production. Alors, vous fiez pas la date, vous savez toujours que je. Pour ceux qui me connaissent pas, vous. Et pour ceux qui me connaissent, vous devriez savoir, en général, on dit, il y a toujours un délai d'un mois entre le moment où la vidéo est tournée et le moment où elle sort. Environ. Vous en faites pas si on est à, genre le 15 août. Et que là, vous entendez une date qui est avant. Tout est normal. Heure et lieu seront définis avec nos meilleurs venir. Voyage et hébergement à la charge à la maison de production. Ouais, mais je peux pas. Je peux pas me barrer comme ça en Belgique. C'est con, mais. Je vous l'ai dit, Paris à la limite, je voudrais bien. Ce serait l'occasion d'y aller. Surtout si c'est à charge. Je suis jamais allé. C'est pas forcément un coin qui me plaît. Alors.
Oh, attendez, on me répond là. Alors, je sais pas, arrêtez de me répondre, je ne suis pas disponible. Ouais, j'ai mis, on propose un gif, haussement des épaules. Vas-y, je le mets. C'est mon ami va faire quoi? Qu'est-ce que tu racontes? J'aime bien ces gifs. Tu perds la crédibilité du sérieux. Bon, tu vas appuyer sur continuer, bordel de merde! Alors, Monsieur Georges Gonin et Herman Barbarossa, non, Barbossa. La Hammer Films Production. Et d'origine londonienne. Oh, la Hammer! Tout est lié! Ben voilà, on part à Marvel, hein. Justin Hammer derrière tout ça, c'est logique. Ils veulent m'enrôler. C'est un complot du gouvernement! Bonjour, alors. Oh putain, il y a une engueulade au fond. Nous voilà au laboratoire royal. Donc on est au Wakanda, c'est ça, et composé de plusieurs Hawkeye et Quake. Ils mentionnent. C'est devenu tellement banal que les mecs ils mentionnent ça. Oh, il y a des Hawkeye. C'est limite, ils confondraient les vrais, tu vois. Alors. Les mails privés réalisateurs gominbertemps@gmail.com. Ok, je vous donne tous les liens, comme ça vous pouvez téléphoner. Alors le téléphone, le 00 44 871 358 3227. Et l'autre numéro, le 00 44 704 207 551. Le site web http://www.hammerfilms.com. Voilà! Bien respectueusement. Oui, vous aussi. Pourquoi c'est toujours Bruxelles, putain? Merde! C'est parce que je suis à Strasbourg. Putain de merde! Ils peuvent pas proposer des trucs à Paris! Ils ont déjà tout le monde à Paris. C'est Bruxelles, ils sont pauvres, c'est... ils ont personne, ils viennent recruter en mode bêche, tu sais, à la France. Voilà, c'est bon. Je veux pas me faire des amis belges dans cette vidéo. C'est la dèche. Ouais, vous en faites pas, c'est la dèche pour tout le monde. Allez, on va boire une bière ensemble, la même bière. Ah ouais, on est trop pauvres hein, pour pouvoir en acheter pour chacun. On se la partage. Chacun un petit... Tu vois vraiment le mec qui partage la même canette, tu vois. Alors, ah, c'est tout Michel, pas plus. Ouais, bah, la personne avec le haussement d'épaule, elle m'a fait un smiley, tu sais, le smiley Facebook, tu sais, sérieux? Oh putain, c'est rigolo. Bon, que... Alors, attends, je vais essayer de cacher les trucs. Alors, je suis trop bon. Alors, putain, je suis trop nul, j'y arrive pas. Ah, oh, putain. Non! Voilà le smiley. Ouais. Oui, je veux garder la confidentialité du truc. Je veux pas avoir des problèmes non plus. Ah, j'aime bien le smiley. Là. Ah, j'ajoute à ma story, je sais pas ce que ça fait. Mais oui! Tu peux voir ma story. Ma story, là, pour l'instant, c'est un messager. On va peut-être pas mettre sur ma story alors. Ah, c'est un truc pour tout le monde. Ah, d'accord. Putain, à votre histoire. Ajoutez à votre histoire. Quoi, il y a Stéphane Bern qui va venir me conter. Alors, Maxi Boulet est né en 1849. C'est un beau prince de France. Il était viril, et moi je déconne. Il était super moche, avait les cheveux qui portaient en couille, et tout le monde lui crachait dessus quand il le croisait dans la rue. Ah, la France était belle et merveilleuse à cette époque-là, ok. Bob le fait mieux quand même que moi. Alors pour ceux qui comprennent pas, c'est Bob Lennon hein, dont je parlais. C'est pas un vieux pote
que je vais voir souvent au PMU. Putain, c'est Bob. C'est Bob, Deadpool, c'est le pote de Bob. Tout est lié. C'est pour ça qu'il s'habille en rouge. C'est les théories du complot, on y va loin là. Ils sont tous les deux habillés en rouge. En parlant de rouge, ne mettez pas de pouce rouge aux vidéos de Bruno, et mon pote qui a la chaîne Magic Barca. Je vais arrêter de la prononcer de balle. Où je participe, dès que je peux. Dès que je vois qu'il fait un stream, j'essaye de participer. Surtout si c'est du Resident Evil. Si c'est du Resident Evil, je veux pas rater. Ben, la dernière en date, c'était Resident Evil 7 où j'ai participé. Il a prévu de faire le 4, le Code Veronica, quand il aura pas de problème de noirceur d'écran. Enfin, le 4, il l'a déjà fait. Sans moi, je suis triste. Il a prévu de faire le 2. Ça, par contre, faut que je participe. C'est mon préféré. Je participe tout le long, hein. Voilà. Un peu comme à l'époque avec Sarah Kirin. Ouais. Quelle bonne époque. Elle est sur la bannière, hein. Ah, il y a tout le monde sur la bannière. Enfin, non, je déconne, il n'y a pas tout le monde. J'ai dû faire des choix. Il y a un ordre logique. J'ai respecté un ordre logique, j'ai dû faire des choix. Par exemple, on commence par les deux icônes hein, de la chaîne, c'est logique. Ensuite, on passe aux deux icônes féminines. À la base, ça devait être Eve, mais après, fou de gueule, je prends lui. Surtout qu'en vrai, j'ai du mal à dessiner. C'est comme Naru, c'est pour ça que Naru, j'ai mis sa version animée, parce que sa vraie version à dessiner, j'avais du mal. Et je voulais pas le supprimer, Naru. Et donc, j'ai dû choisir. Si j'avais pas trouvé d'autres icônes féminines, j'aurais quand même mis Eve, hein. Mais c'est vrai que l'autre, techniquement, qui a plus impacté la chaîne, c'est Sarah Kirin. On en parle encore aujourd'hui, hein. On en parle beaucoup de Sarah Kirin. Et puis sinon, bah, y a Alex. Voilà. Voilà, ensuite, donc ça c'est un lien. Donc ça c'est l'icône féminine. Ensuite, le prochain, c'est... Ouais, j'ai mis Jérémy. Regardez. Et c'est aussi pour ça que je pouvais pas mettre quelqu'un d'autre que Naru. Accessoirement, c'est parce que bah, il fallait un et un, alors j'avais hésité, alors un comique de service et tout, et finalement je me suis dit, ouais, je veux pas me faire chier, cette rangée là, ce seront les Jérémy. C'est pour ça que d'un côté il y a Jérémy Verdier, et puis de l'autre il y a Jérémyson, alias Naru. Voilà. Iron Fist, il faut tuer Iron Fist. Ouais, les membres de la main vont tuer Iron Fist. Parce que le mec, il fait souffrir plein de gens en leur ouvrant le trou de balle. Ah oui, ça souffre, hein. Ça souffre dans les chaumières. Chaumières. Et voilà. Et donc, voilà, donc il y avait un ordre logique. Et le dernier, bah, j'ai pris des invités dont leur prénom commençait par A, donc Ali et Antoine. Qui marque aussi, hein. Ils ont tous un lien. Ouais, c'était cool. C'est assez moche, la bannière, mais voilà, en fait, avec la qualité de la maison, hein. Comme j'ai pas pu avoir une dessinatrice qui me manipule pas, j'ai dû faire moi-même les dessins. Je trouve moche, hein, certains. Il y a certains où ça va, mais moi, par exemple, je suis moche, hein, dedans. J'arrive pas à me voir, putain, c'est moche. Ouais, c'est con. Ouais, après, c'est au moins la bannière, elle est là. J'ai pas eu de réaction encore sur cette bannière. Tout le monde s'en fout. Alors, Captain... Ah, maintenant, c'est l'heure d'aller regarder les news sur le téléphone. Avengers 4, alors Melty. Captain Marvel, impressionnante face à Thanos sur un poster imaginé par les fans. Ouais, d'accord. Ça marche. Ça marche, mon petit Robert. Allez, vas-y, tuez-les tous. Alors, Captain Marvel rejoindra les Avengers pour lutter contre Thanos dans Avengers 4, sans déconner. Et les fans lui ont imaginé la rencontre. Moi, bon, autour d'un café, moi je dis le café poireau. Tu veux me servir un verre? Faut mieux que ça soit le café poireau que le café Miro, hein. Parce que là, c'est bon. T'as l'enseigne qui décolle et qui vient splash quelqu'un. Allez, retrouvez les références. On est fini, Iron Fist. C'est un mode méchant.
Avengers annonce plein de surprises. Bon, Multi, je me méfie parce que eux, tous les films sont bien. À un moment donné, non. Bon, pas selon mes critères, hein. Chacun a ses critères, hein. Voilà, hein. Si le mec, c'est juste des jolis graphismes qui l'intéresse dans un film, ok, ok, d'accord, hein. C'est clair qu'il y a très beaux films, hein, de nos jours. Après, il y en a qui ratent dans tout, hein. Il y en a où, par exemple, tu y crois pas, comme Tomb Raider. C'est tellement lisse, on dirait un jeu vidéo, où tu peux pas jouer. Donc ça tout hyper. Ouais, ouais, t'as vraiment pas l'impression d'y croire. Ce qui est rigolo, parce que, inversement, je trouve plus que dans les jeux vidéo, même les Tomb Raider, t'as plus l'impression d'être devant un film, voire même d'être devant la vraie vie. Des fois, t'as l'impression que c'est des acteurs, tu vois, que c'est pas vraiment des personnages créés. Truc. Alors qu'en ce moment, bah, avec les films, et des fois les films tirés de ses propres licences, c'est l'inverse. T'as plus l'impression qu'ils sonnent faux. Même quand, donc, c'est des vrais acteurs. À un moment donné, il faut se poser des questions, hein. C'est parce qu'ils utilisent après trop les effets numériques, je trouve. Et ils bâclent un peu, ça doit aider aussi. Mais utiliser trop, surtout pour un film, c'est pour ça que c'est... Tu te demandes si leur but c'est vraiment de rendre réaliste. Ce qui est le cas pour les jeux, c'est peut-être pour ça que je pense que ça change. Voilà, c'est con. Non, ouais, parce que pour les films, ils veulent plus juste impressionner. Et pour moi, il faut un mélange. Moi, je préfère un mélange, on va dire, un peu à la Mad Max Fury Road, où t'as, tu vois. Où t'as du numérique, mais aussi des cascades, des trucs réels. Parce que sinon, au bout d'un moment, en général, ceux qui utilisent que. On va dire. Que les trucs en mode on est en fond vert pour tout le tournage. Mais bon, en général, je décroche vite parce que vraiment, j'y crois pas. Hein. j'y crois pas. C'est soit j'y crois pas, soit j'ai si vraiment j'ai l'impression d'être devant un jeu vidéo, j'ai envie de prendre la manette. Mais je peux pas, tu sais, de guider mes choix, et donc ça me frustre. C'est comme un joueur, tu sais, qui joue, tu sais, comme si l'autre, tu vois, qui t'invitait jouer seulement au jeu et te laisser clamper sur le canapé. Et terminer le jeu devant toi, voilà, sans te laisser la manette une seule fois. Voilà, c'est ce genre de truc. Mise à jour de YouTube réussie, mais si tu veux, Robert. Hein. Ouais, c'est sympa le fanart en tout cas. Bon, allez, vas-y, on passe au prochain truc. Eh, je parle de tout et n'importe quoi quand même. Hein. Déjà des idées pour intégrer les X-Men au MCU. Ah, bah vas-y, on va voir. Hein, Gameblog. Alors, vous en sortez bien, vous êtes toujours au Wakanda, ça a plus l'air, hein. C'est pas ça l'un des nouveaux endroits? Je sais pas, parce que c'est... Ah non, c'est... ça a l'air d'être Hydra, mais c'est bizarre ça. Chaque fois, j'ai peur que ça plante, hein, quand il me fait un petit truc comme ça. Comme indiqué il y a plusieurs mois, malgré les différentes raisons, Disney est sur le point de racheter une grande partie de la Fox, une fois ce rachat permettant d'utiliser les personnages des X-Men et Deadpool. Les 4 Fantastiques aussi, faut y penser un peu, putain. Ah, parce que c'est vrai que les 4 Fantastiques, c'est... Ils sont un peu importants, quoi. Ah ouais, bah, de toute façon, c'est les 3 entités. X-Men, Avengers, 4 Fantastiques. Ah oui. La majorité tourne autour d'eux, on va dire, dans les comics. C'est pour ça que c'est phénoménal quand t'as les trucs qui croisent les 3. Bon, après, il y a déjà de base des personnages qui croisent plusieurs trucs. Deadpool, par exemple, est un des meilleurs exemples. C'est techniquement un mutant, voilà, lié à Wolverine. Techniquement, tu dirais qu'il est plus vers X-Men. Et pas. Bah non, pas forcément en fait. Parce qu'il croise aussi beaucoup Spider-Man, qui est plus du côté Avengers. Il croise beaucoup aussi les Avengers, d'autres personnages. En fait, il croise beaucoup de monde et pas vraiment que les X-Men, hein, quand tu regardes dans ses aventures. Il croise un peu de tout. Punisher aussi, ça varie. Après, Punisher, en général, de base, il était pas très proche des... Il était proche de Nick Fury. Donc plus des Avengers, de ce côté-là, du Shield.
Quand je dis Avengers, c'est Shield aussi. Shield compte dans cette partie-là. Le Shield n'est pas vraiment lié aux X-Men et aux 4 Fantastiques, même s'il leur demande de l'aide hein, de temps en temps, c'est assez pratique. Korat, le mec qui te poursuit jusqu'à l'ombre de la nuit, jusqu'au bout des fesses de Kim Kardashian. Bien compris. Petit rototo. Allez, c'est parti mon kiki. Ah, je m'en sors bien avec cette équipe en fait. Bon, le Nexus, je devrais m'en sortir encore mieux. Techniquement, les mecs, a priori, de ce que j'ai vu, ils ont le même nombre de PV. Sauf que là, je vais avoir mon équipe avec un niveau encore plus au-dessus. Hein, parce que là, ils ont à peine 30 000, hein, c'est ça, je... Voilà ça. Ah, mon autre équipe en a 50 000 hein, de puissance. 54 000 même. Je pense que ça devrait aller. Hein. On va voir. Hein. Si... C'est vrai que là, le truc qui fait que ça galère un peu, c'est à la limite, c'était plus le cas dans la première, mais là, je pense que si je fais la dernière, je galérerai. C'est le fait que j'ai pas mon équipe au complet. Je pense que ça, je m'en sortirai un peu mieux. Mais je pense qu'à un moment donné, même avec mon équipe au complet, je vais galérer. Hein. Les derniers niveaux du Nexus, je pense que... On est d'accord. Ils en ont rajouté en plus un, il y en a un septième maintenant. Eh bien, Rogers, vous me recevez ? Oui, de maintenant, il a un cheveu sur la langue, lui. Oui, monsieur le président. Ouais, président Rian, pourquoi pas ? C'est le chacal ou le bouffon vert ? C'est Osborne, je crois que c'est le chacal. Je sais plus. Je crois, ou le bouffon, je crois que c'est le bouffon vert. Bon, est devenu président des États-Unis d'Amérique. Après avoir été en plus aussi l'Iron Patriot au sein du de la justement de, ah putain je me rappelle plus le nom, c'était pas Hammer aussi ou un truc dans le genre qui remplaçait le Shield. Voilà, tout va bien dans le meilleur des mondes. Comment ça? Bah, visiblement, il y a un de mes personnages qui s'est fait quand même déjà dégommer. C'est pas Nebula, c'est pas Etra, c'est qui c'est qui s'est fait dégommer là ? Ouh là, j'ai peur que ça va perdre. Hein. Je crois qu'il va peut-être falloir suspendre. Oh, au pire, je filmerai la scène chez quelqu'un d'autre. Parce que je connais quelqu'un chez qui on pourrait filmer. Mais putain, visez d'abord lui. Visez ce capitaine. Putain, mon abruti. Je sens qu'on est dans la merde. On est dans la merde. Attendu, Ant-Man qui sortira dans la salle du cinéma. Ah, il est pas encore sorti chez nous. Ah, il est déjà sorti aux États-Unis. Bon, des fois, c'est nous qui avons l'exclusivité, donc on va pas trop se parler. Ant-Man, machin. Bon, on est dans la merde, on a perdu là. Ah, bah, je vais devoir filmer chez quelqu'un d'autre. Désolé. Bah, regardez! Avec cette équipe, ça va y aller plus vite! Allez, on va défoncer des gueules! Ta-na-na-na-na-na-na. Je suis un odieux connard. Ta-na-na-na-na-na-na. Hé, hey, Roger, salut, on va se débarrasser de lui! Ah, piou piou! D'où il essaie de me niquer la gueule, le petit con? Et il a cru que j'étais qui? Spam, défonçage de gueule! Bon, on lui marave le plus possible, même si on se doutait que les Captain America viendraient faire chier. Voilà. Vas-y, on vient défoncer la figure. Ah, moi je dis ça va être un peu plus rapide. Et sympa comme équipe. Ah bah ouais, ça va, déjà, ça dégomme plus vite. Certes, ils nous font quand même mal, mais voilà, par exemple, Iron Man, salut. Hein. Bon, il y a Doctor Strange, là, faut s'en méfier. Eh, bah putain.
Putain, Thanos, comme il l'a bolossé. Et comme ça, vous avez un avant-goût de ce que pourraient devenir les combats plus tard. Fury, je défonçais tout le monde avec Thanos. Quoi? Comment? T'as Thanos sous ta botte? Oh, bah ok, salut, je m'incline, hein. Je vais retourner voir mon papa. Je suis sniffen. À quel prix? Sniff, sniff. Ouais, 3 étoiles, nanana. Bon, je m'en fous, parce que c'est pas moi qui les ai. Bon, allez, on est parti pour ça, et aux antipodes, hein. On aura notre équipage habituel, ça devrait être un peu mieux. Alors, qu'est-ce que... Comment fait Optimus pour garder des portails ouverts? Comment tu veux que je sache? Et donc, si on détruisait tout de notre côté? Bah, j'ai enlevé tout au capital et ça se fermerait. Envoyez une équipe en Australie pour aller chasser les kangourous! Oui, je fais ce que je veux, hein! Personne ne me contredit! Bah, allez, c'est parti. Ouais, vous voyez, je me suis même planté, maintenant j'ai 55 coups. Bon alors, une série horrifique Netflix signée Blumhouse vient de dévoiler les premières images de Ghoul, la mystérieuse série fantastique en 3 épisodes disponibles sur la plateforme dès le 24 août. D'accord, prometteuse, ok, ça peut être magique, ouais. Un mi-chemin entre le fantastique et l'épouvante horreur, ok. Et découvre que certains des terroristes qui s'y retrouvent ne sont pas de ce monde dans le folklore. La Ghoul est un démon qui appartient, ok, d'accord. Why not, les séries d'été qui titillent nos papilles. Batman, la meilleure série, va être remasterisée. D'accord, un Captain America corrompu qui dirige cette unité. Restez sur vos gardes. Affirmatif, commandant Gassel. Vous donnez quel ordre? Alors, bah vas-y, on va tous les niquer. Mon colonel. Ouais, j'ai l'impression que c'est un peu plus bas cette fois-ci. Au niveau de la cam, c'est dommage, mais bon. Okay. Voici Vive Ultimus. Mais là, j'ai cru. Voici Ultimus, le grand prince Ali. Oui, Ultimus. Alors, on met tout de suite fond en débat. Oui, Batman de la nouvelle série est la meilleure de s'animer sur Protect Gotham. Mais pas la peine de nous mentionner. L'annonce, une remasterisation de la série en full HD. Ok. Ok, d'accord. Why not, hein? Pourquoi pas? On se promène pas en criant Vividra et tout ça. Bon, en tout cas, Captain America, lui, on sait qu'il est maintenant pour Hydra. Après, on va dire une explication alambiquée, mais on l'en veut pas, on l'en veut pas. Hein, hein non? Allez, vas-y. Appuie sur continuer, merde. Ah. On est JDG. Oh, joueur du grenier. Créé par Bruce Timm et Paul Dini, les mecs qui ont dû se suicider en voyant dans Suicide Squad en avant-première. Et le Joker doublé par Marc Hamill. Ah, que de souvenirs. Et de mon temps, c'était sympa. Ah oui, j'ai de grands souvenirs de cette série. On dirait que c'est un Punisher corrompu. Elle est bonne celle-là. On a vu Punisher normal et maintenant Punisher corrompu. Et il y a Luke Cage qui veut lui péter la gueule. Harlem, c'est moi. C'est le mec qui gueule ça même quand il est plus à Harlem, tu sais. Il peut être en Amazonie, mais... Tout diffusé, d'accord, sont disponibles, une édition Blu-ray. Ça me rappelle James Bond, les versions Blu-ray où ça avait été re-soigné. Ouais, les USA perdent la moitié de leur aviation stratégique en un jour. C'est cool. Thanos est venu à bannir la moitié d'un groupe Reddit dédié à... Ah d'accord. Et comme ça, Thanos. Il va s'incruster sur Chatroulette et bannir plein de gens aussi. Ouais, Hulk écrase tout. Couvrez-moi pendant que je pose les dispositifs. Oh, j'aime pas les trucs courts, et voilà, parce que là, il faut que je... en général, il faut que je change mon dispositif pour mettre que des protecteurs. Bon, après, on est dans le Nexus, donc ça va un peu mieux de ce côté-là. C'est plus chaud dans les autres modes où j'ai pas forcément assez de protecteurs. Là, j'en ai assez, hein. Ouais. Ah, j'ai au moins Luke Cage, Jessica... Qui c'est que j'ai d'autre? Drax. En général, je mets Drax et Jessica ou Luke Cage. Mais Jessica, elle est bien parce qu'elle enlève les altérations... de santé, des trucs comme ça, c'est hein, les altérations physiques. C'est cool. Voilà.
Battlefield, ok, décision machin, je m'en fous. Alors voilà, pour le moment il survit. James Gunn, réalisateur des Gardiens de la Galaxie, affirme que le spoil ne gâche pas un film. Il paraît que Spoil va mourir dans Spoil, d'après Spoil, vous pensez que Spoil est un film, c'est pas le cas de James Gunn en tout cas. Il vient encore de fois de créer une petite polémique, en récemment et surtout en gueulante et cernant les fans imbéciles de Star Wars. Et Spoil ne ruine rien à long métrage pour ou contre. Direction la galaxie des Spoil. Merci, écran large pour les blagues. Une affirmation assez amère pour les internautes, surtout alors où la moindre bulle d'information est soit décortiquée comme un vulgaire morceau de poulet, voilà, truc. Il a donc tranché récemment public que même s'il préfère cacher les secrets d'un film, les spoils ne ruinent pas la création d'un réel engouement d'un public. C'est un film peut-être ruiné par des spoilers, alors ce n'est pas un bon film. Je suis opposé à l'idée des spoilers, de spoiler des choses aux gens, mais des études démontrent que connaître les spoilers n'a fait que très gérant leur plaisir, voilà, truc. C'était pas la première fois que le cinéaste aborde ce sujet lors de la sortie des Gardiens de la Galaxie volume 2. Et le meilleur exemple, c'est Life is Strange. J'étais complètement ému alors que j'étais au courant de ce qui se passait. Mais ça va pas empêcher. Ça peut modifier par contre le visionnage. Hein. Ah oui. C'est sûr que si on te spoil dans Usual Suspect machin, c'est machin. En général, le visionnage. c'est. Tu peux pas le mater pareil, hein. Voilà. Après, James, c'est comme un sorcier. Il vient tout juste de finir le script. Gardien de la Galaxie 3 et un vaisseau spatial volant électrique dans Zelda. Ah, Macron annonce l'ouverture de chemin bas les couilles. Dès que c'est lui qui parle. Alors, Nexus. Alors, donc là, on peut débloquer des trucs. Il n'y a pas sur des personnages que j'ai pas, on va dire. Et alors, cette description ne te rappelle personne? Si notre Fury est un méchant et que le vrai avait ses deux yeux, pas de cicatrice, et le menton bien glabre. T'adores? Je sais pas combien de temps je vais pouvoir supporter ce mioche. Si tu veux lui coller une balle, non, tu tues pas les innocents, Cassel. T'es trop gentil. Trop, même, hein. Juste avant. Le selfie de Chiappa, le bricolage, l'attentat de Marine Pen. Déjà, rien que la description, je m'en fous. Alors, le remake de Final Fantasy VII. J'y ai très peu joué, Final Fantasy VII. Je sais pas si je vous le ferai un jour. À savoir si je l'ai toujours en fait. Hein. Bon, c'était version téléchargeable PS3, donc. Ça date, hein. Ouais, Noël, les connexions cloud, ouais. Ah, j'espère qu'on pourra toujours se déguiser en fille. Les images dans le galet, ouais. Je te vois un modèle pré-calculé, seconde, troisième personne, moi je suis capture sur les images. Alors la galerie. D'accord. C'est sympa. Cloud. Ou comme beaucoup de héros, trucs japonais ou d'autres trucs. Ils sont. Bah, les Américains aussi, mais les Américains, c'est des fusils en fait. En général. Ça va être utilisé les agents de l'AIM. 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 Allez. Ça change un peu d'affronter l'AIM. Parce que ça manquait. Alors. Ouais. Et comme j'ai dit, ces mecs ils compensent. Hein. Ils compensent quelque chose, je dirais pas. C'est la taille de leur pouce. Tournage de Game of Thrones est terminé. Pour toujours. C'est quoi ce titre racoleur, quoi? Sauvetage d'une grande détaillante des 12 enfants et leur coach ont péri. Et ils sont morts. Ils reviendront pas. Pour toujours. désolé. Alors, Espagne, un torero se fait scalper les couilles par un taureau en pleine corrida. Ce dernier les a bouffés ensuite. Parce que œil pour œil, corne pour corne. Qui ne souffre d'aucun dommage au cerveau. Sans, au fait.
Alors, il est chapeau belle, le torero, a perdu une partie de son cuir chevelu. Oh mon dieu, ma mèche! Ça, c'est une charge de taureau. Le torero ensuite est amené à l'hôpital, voilà. Le taureau a été tué, mais ça, faut pas le mentionner. Ouais, bah, ça, faut pas le mentionner. Un crocodile de 600 kg capturé en Australie. Mais c'est en Australie, putain, là-bas, les corbeaux font 2 mètres et ils bouffent les passants. Les pigeons, quand ils te chient dessus, tu meurs étouffé parce que ça te recouvre tout le corps. Alors, attends, la bête. Ah, c'est France Info, ça. Petit France Info. Bah, vas-y, je vais me tourner. Le saurien, perçu pour la première fois, a été retrouvé. On capture un énorme crocodile marin. Et pas un crocodile marrant. Quoique ça peut être rigolo, je sais pas. Mets ta tête dans dans sa bouche. Et fais ah 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 la queue le. Il y a un crâne rouge qu'on puisse. C'est con qu'on puisse pas débloquer crâne rouge pour le moment. Et franchement, c'est l'un des très rares à avoir son fichier, ses skins, ses habilités, son skin, ses habilités dans le jeu, mais à pas être débloqué. Il y a lui et Loki, c'est les seuls qui me viennent en personnage, que des méchants. Hein. Ah, mais forcément, vu que tu les affrontes. Mais c'est ce seul, on est de souvenir, hein, qui sont présents dans le jeu, mais que tu peux pas débloquer dans ton truc. Alors que tous les autres, tu peux, je parle en personnage avec un nom. Après, je te parle pas des sbires, et même les sbires de la plupart des trucs, tu peux les débloquer en fait. Hein. Non, j'ai pas pété. Alors, cette espèce a utilisé une et plusieurs trois fois la taille des dinosaures les plus grands de la période du Trias. Oh! Ah, une dinosaure géant qui existait à Trias. C'est vrai que c'est étonnant. Parce que là, ils étaient pas si grands. C'est le Jurassique qui a vu les. Ouais, le Jurassique en même temps, c'est le second opus. Hein. Il faut toujours voir les trucs en grand. Et c'est qu'après, dans le troisième opus, qu'à la limite, ils reviennent un peu dans le raisonnable. Bon, après. Des fois c'est pourri aussi, mais bon. Quoi? Eh, blague. Le poids de 2 à 3 éléphants. Dès qu'on l'a découvert, on s'est rendu compte que c'était quelque chose de différent. Ça n'avait pas le même goût. On avait découvert une forme, la première à être géante au milieu de tous ces dinosaures. Voilà la nouveauté. Cecilia a pas le DLT, chasseuse à l'université de San Juan. Ah, d'accord. J'allais partir dans un accent italien, mais faut plus que je prenne un accent espagnol. Merci, que cosa hay. Majesu Rafale. Les glands, la folle. Ouais. C'est con qu'on fasse plus de trucs avec Naru. Bon, Wave, on s'était pris la gueule, la dernière nouvelle, plus de nouvelles depuis. Eve, on vient de se prendre la gueule, voilà. Naru, ça va. Même si je suis pas trop au courant de ce qu'il fait. C'est con, un JDR ce serait cool, ça fait un an. Ouais, je. Plus de JDR. La dernière fois c'était Balgachior. C'était cool. Hein. C'est con que j'ai eu le moment diarrhée. Bah, même si j'avais prévenu pour la diarrhée, j'aurais demandé de continuer sans. Bon, après, ils auraient peut-être pas buté mon perso. Quoique, vu qu'elle voulait montrer justement, on va dire, ce qu'il faut pas faire dans le truc, je pense que. C'était la meilleure truc à faire. C'était bien qu'ils aient fait tuer mon perso en mode. C'est sans mon autorisation ce truc. Techniquement, ça va avec l'intention hein, de montrer qu'est-ce qu'il faut pas faire dans un JDR en général. Bon, après, moi je suis pas comme ça à donner des conseils. Hein, JDR. Chacun a sa façon de jouer. Après, il y a quand même des conseils qui sont bien. Après. Mais chacun a sa façon de truc. Notamment au niveau mise en scène, si tu veux filmer, si tu veux le truc. Là, c'est vrai que. C'est bien de varier le truc, mais en vrai, la partie en soi, chacun son truc. Il y a les Maillards, il y a les Fred, et puis d'autres. Moi, je sais pas où je me situerais. Moi, j'attache beaucoup au background, un peu comme Fred. Je veux détailler, en général, être sûr de pas qu'il y ait d'erreurs. Tu sais que tel personnage, je sache où il est à tel moment. Ça, c'est en général pour ceux que je prépare, mais en général, les soufflets retombent parce qu'il y a personne qui participe. Donc en général, je suis obligé d'en faire des improvisés, et là c'est un peu plus comme Maillard, c'est-à-dire j'ai les grandes lignes, mais... C'est le seul que j'arrive à faire en général en MJ en ce moment. Le prochain... Et même là, je galère.
pour celui qui... Apocalypse politique, on l'a toujours pas fait. J'espère qu'on arrivera à le faire. Je serais déçu. Par exemple, pour ceux que j'ai préparé celui de Léon. Voilà, donc avec Alex. Alexandrie, hein, pas Alexandre. Ouais, faut pas confondre. Alors, l'un est mon parrain et l'autre c'est mon ami au loin, dans des contrées lointaines. Dans un paysage sauvage, où vivent encore des dinosaures. Je pense que j'abuse un peu. Et voilà, c'est celui-là je l'ai préparé et plus de nouvelles. Mais après c'est Alexandre, on a l'habitude qu'il y ait les phases. Pendant un, deux mois, elle est là, et puis après elle disparaît, et puis voilà, il y a le truc qui quitte. Excusez-moi pour ce petit contretemps, vous tremblez de peur. C'est pas parce que vous avez fait planter mon truc que vous m'aurez, bande de chiens. Alors, donc j'étais en train de parler des JDR, donc Alex, comme je disais, on a l'habitude, il y a des périodes... En général, les périodes où elle est là sont beaucoup moins importantes que ceux où ils... Enfin, quand je dis important en termes de durée. Ils sont importants, hein, je suis content, justement, j'ai hâte déjà d'y être au prochain moment, on pourra repasser encore sur le forum. Pour continuer, notamment le RP qu'on vient de commencer, qu'on avait à peine commencé. On a pu faire quelques trucs, mais c'est vrai que là, c'est reparti pour un silence radio. Bon, c'est pas non plus un gros silence radio, ça va, j'arrive quand même à discuter avec elle via WhatsApp. C'est moi qui ai WhatsApp, hein. Ah, parce que sinon, bon, après, on discute pas tant que ça. Eh oui, malheureusement. Après, c'est dur, c'est assez froid, nos conversations. Ouais, c'est assez froid, et comme moi je suis plus à l'aise à converser à l'oral, c'est assez un comble pour un timide comme ça, bah ouais, ah, c'est vrai que j'ai ces trucs, je les utilise plus, putain, bonjour, salut, tu veux pas nous utiliser, et il nous reste plus qu'à rouler sur toutes ces quakes, ouais, en leur balançant des explosifs, allez, pétons tous leur gueule. Ouais, c'est con que ça soit aussi froid. Bon, en même temps, on va dire que... En général, les réponses, quand j'essaie de parler d'un sujet, je sais... ok, ouais, d'accord. Ça essaye pas de continuer, elle pose pas de questions. Donc c'est très court, en général, elle pose des questions, c'est plus quand on est à l'oral. Sinon, c'est très froid, c'est pour ça que je dis... Je lui ai demandé la prochaine fois, dès qu'on peut, truc, parce que... Donc au final, WhatsApp, on discute très peu en fait, hein. Je lui balance des liens et puis c'est fini. C'est mort, tout ce côté-là. Ouais. Ah oui, le manque de réponse. Ah oui, mais c'est clairement ça, c'est assez froid. Voilà, des fois j'essaye en mode, alors qu'est-ce que tu fais de ton côté? Pas grand-chose et rien. C'est encore plus froid que Holt. Holt, au moins, on arrive à discuter de trucs et tout. Bon, après, Holt, ça fait longtemps quand même. Mais là, c'est vraiment froid de froid. Hein. C'est glacial. Et surtout, il y a que moi qui pose des questions, en fait. Elle n'en pose aucune. Je sais même pas si elle est au courant de ma situation à l'heure actuelle. Elle m'a pas posé de questions. J'ai pas souvenir qu'elle m'ait posé de questions sur moi, sur ce que je deviens, sur... J'ai pas souvenir. Il y a que moi qui en pose. Ouais, c'est con parce que ça me donne le sentiment qu'il y a... moi, je m'inquiète pour elle, j'essaie le truc, et elle... Bon, après, je pense pas que ça soit le cas. C'est bon, j'ai assez d'amis qui me trahissent. Ça va, à un moment donné. Hein. Même Steve, qui pose pas beaucoup de questions, on pose quand même des fois. Voilà. Et encore, Steve, on peut contrepallier par le fait qu'on arrive à discuter de plein de trucs. Donc, mais, même si on parle pas de nos vies et tout, ouais, mais on en parle quand même des fois. Mais là, même quand c'est à l'écrit, hein, hein, via Skype. Mais là, j'ai pas souvenir que... Alors, c'était peut-être à l'oral, mais même à l'oral, j'ai pas souvenir qu'elle m'ait posé de questions. Elle m'a peut-être posé sur mes parents, mais pas sur moi. Ou sur Steve. Alors ça, ce serait... Je rigolerais si c'est le cas.
Peut-être que mes souvenirs sont trompés, mais alors franchement, je rigolerais le coup. T'sais, elle a posé que des questions que sur Steve, tu sais, moi. Ouais. Pour un point, ça, moi, ça me dérange pas. Tant qu'elle vient pas me faire de réflexion à la con, mais ce serait pas son genre, hein. Tu sais, parce que là, on a déjà eu un peu d'embrouille où elle avait l'impression que je m'inquiétais pas pour sa situation. Je dirais rien de ce côté-là, je lui ai promis, mais... En gros, c'est pas trop la joie, mais bon, Steve non plus. Et même moi, j'arrive pas à faire ce que je fais. Après, je suis peut-être le moins pire dans ce cas, mais... par exemple, mes études, c'est mort pour le moment, plein de trucs comme ça. Donc elle vient pas me dire en mode, hey, « Eh, mais toi, je suis sûr que tout va bien, que tu as un truc, parce que je te jure... Le premier qui me sortirait ça, même Steve, je me le sors pas, heureusement, parce que ça, ce serait un truc qui m'énerverait, parce que... Ben moi, non, ça sort pas, le fric, ça manque, là, je suis obligé de chercher un boulot dont je m'en bats les couilles, parce que juste pour pouvoir ramener du fric, en attendant que j'arrive à trouver une piste pour ce que je veux faire, et pour le moment, ben, comme les études, pour le moment, c'est de la merde, j'arrive pas à passer le bac... Tant qu'il aura pas changé, on va dire, j'y arriverai pas, ça c'est clair. Donc il faut que je trouve un autre machin, et avec un peu de chance, quelqu'un arrivera à me repérer, un truc. Mais... Pour le moment, j'essaie de compenser en continuant à écrire. Faut surtout pas que je vienne à déprimer, mais... Ouais, c'est pas gay non plus. Allez, c'est la vidéo de la joie, allez, on essaye quand même... Je vais mettre un titre en rapport avec ça. C'est nos soucis personnels. Voilà. J'englobe Steve et truc. Je vais pas rentrer. Si eux veulent en parler, ils en parleront. Un truc. S'ils veulent dénoncer. Je suis ouvert, hein, mais moi j'en parlerai pas sans eux. Sans leur autorisation. De leurs soucis personnels à Steve et à Alex. Ils ont chacun leur truc. Ouais. Ce côté-là, c'est folichon, je veux dire. Mais donc, Alex, elle, là où je remarque surtout, c'est que c'est le plus froid. Alors, je sais pas si c'est justement en résultat par rapport à son truc, ou si elle continue à croire que je m'en fous, mais si c'est le cas, ça va beaucoup me décevoir. Hein? Personnellement, limite peut-être plus que si elle me faisait la réflexion à la con, dont j'ai dit avant. Limite plus. Surtout que, justement, comme je dis, je m'intéresse, je lui pose plein de questions et tout. Théoriquement, ce serait moi qui serais le plus en droit, elle me pose aucune question, donc limite truc. Mais comme je m'en fous, voilà. Ah, c'est moi qui est plus en droit de me révolter, vu que moi, elle me pose pas de questions sur ma situation personnelle. Yeah, avec moi, m'intéresse, mais voilà le bon truc. Bon, je peux pas non plus faire des cours de morale. Après, honnêtement, j'aimerais pas être à sa place. Ça, c'est clair. Ah oui, je voudrais pas vivre ce qu'il y a avec eux. Même Steve. Ouais. On va dire que moi, c'est le moins pire ce qui m'arrive. Ça veut pas dire que c'est bien. Ah, on est d'accord. Ensuite, il y a Steve et ensuite, il y a Alex. Je vais vous dire, en termes de vie de merde, hein. Ouais, en gros, si je résume, moi c'est pas vraiment cool. Steve c'est... Ouais, galère, hein. Et Alex c'est... Oh putain, comment t'as fait pour tenir. Voilà, c'est... Je rigole, mais comme j'avais dit à Alexandrine, moi c'est mon truc. Rigoler, c'est ce qui m'aide à tenir le coup, sinon je me serais déjà suicidé. Ça c'est clair. J'ai tenté déjà. Et à un moment donné, j'arrivais plus. J'ai vraiment... C'était la dépression de novembre 2016. Ouais, 2016. Novembre 2016. Où j'ai tenté de me couper les veines. Parce que tout le monde me gueulait dessus, pour diverses raisons. Voilà, personne me soutenait. Et moi, j'arrive même plus à rire. J'arrivais plus à rien faire. Et comme je veux plus retourner ça, c'est pour ça que des fois, limite, je suis peut-être en excès. Mais c'est ça où je me colle une balle. Vous préférez quoi à un moment donné?
Parce que je pense que de toute façon, je pense que mes vrais amis se rendent compte que... arrivent à voir à différencier les moments où je rigole vraiment, c'est-à-dire que je suis content, et des fois où je rigole justement pour pallier contre au truc... à la vie de merde que je subis, mais qui m'entoure aussi, parce que ce que vivent mes amis m'attriste aussi. Et pourquoi je suis pas en automatique? Je suis en train de me dire, là, je m'implique maintenant. Parce que là, je parle beaucoup de moi, mais alors, ce qui m'arrive autour n'aide pas non plus. Hein. Parce que voir ce que subit mes amis sans rien pouvoir faire, pour la distance comme Alex ou Steve, et pour Steve, c'est parce qu'il ben, dit rien. Steve, en général, ouais, il en parle plus à mes parents qu'à moi, mais après, il m'en a quand même parlé pas mal, mais je peux pas non plus rien faire pour lui. Voilà. C'est chiant, je me sens inutile. Je voudrais faire quelque chose, mais... j'y arrive pas. Ça, c'est chiant. On va peut-être reparler un peu de news, hein. Ouais, le titre de la vidéo, ce sera vraiment nos soucis personnels. La vidéo qui s'annonce joyeuse. Ah, on a terminé. Ah, ouais, c'est le mec. Ah, merde, j'étais pas encore là. Ah, c'était peut-être une caméra cachée. Bon, les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. Désolé, le côté un peu trop sérieux de la fin. Ouais. D'habitude, mes vidéos, c'est la déconne. C'est vrai que là, c'est la fin. Mais allez, partagez vos soucis en commentaire si vous le souhaitez. Je ne vais pas non plus vous forcer. Hein. Voilà, si vous voulez en débattre, ça peut être cool. On a chacun nos petits soucis personnels, mais on peut y arriver. On arrivera à botter le cul des mecs en col blanc qui nous dirigent et qui, on va dire, sont en partie responsables de nos soucis. Il n'y a pas que ça. Hein. Il n'y a pas que. Hein. Surtout pour mes deux amis en question. Hein. Ouais. Bon, ils aident pas. Hein. Ils aident pas non plus. Hein. Je pense que s'ils étaient plus là, ça aiderait déjà beaucoup. Bon, ça n'empêchera pas certains cas sociaux de gros enflures de continuer à exercer leur perversion ou leur malhonnêteté aussi dans la vie de tous les jours. Mais ce serait déjà un progrès. Voilà, allez, au revoir les gens. Oh tiens, Nobu il est affronté par Pinou le lapin. Ah mince, je veux pas pouvoir l'affronter.